Salut tout le monde, c'est Justin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler pêche. Plus précisément, comment réaliser un montage en Texan. Pourquoi j'ai décidé de vous montrer comment faire un montage en Texan? C'est parce que c'est un de mes montages préférés. C'est un montage qui va nous permettre de passer à travers les algues sans s'accrocher dedans, puis qui va nous permettre aussi d'aller chercher les plus gros poissons qui se cachent dans la végétation. Donc pour commencer, on va avoir besoin de notre bobline, en fluorocarbone bien évidemment pour une meilleure subtilité et une plus grande résistance à l'abrasion, et un hameçon texan. Comme vous pouvez le voir, l'hameçon texan il commence droit, il descend 90 degrés, il fait un demi-cercle et il remonte vers le haut. Donc on va commencer par attacher l'hameçon sur notre bobline. On resserre. Et voilà, notre hameçon est attaché sur le bobline. Pour finaliser notre montage en texan, il va nous falloir une créature en plastique souple pour pouvoir accrocher après l'hameçon. Donc ce que je vais utiliser aujourd'hui, c'est un Senko de la compagnie Lunker Hunt en coloris gomme ballon. Premièrement, pour monter le Senko en manière texan, il va falloir le piquer sur le bout, le ressortir juste en dessous, ici, le faire glisser sur le long de l'hameçon, le remonter, le tourner, comme ceci. Ensuite, il va falloir prendre le Senko à l'endroit où est-ce que l'hameçon va ressortir, prendre l'hameçon, plier le Senko, le piquer et refaire sortir l'hameçon sur le dos. Faites attention à ne pas vous, piquer vos doigts pendant que vous faites ça, parce que ça peut faire mal. Donc ensuite, pour que le montage soit anti-herbe, on va prendre le Senko, le tirer vers l'avant, piquer l'hameçon dans le dos, et voilà, vous avez un Senko monté en manière texan, complètement anti-herbe. Donc comme vous pouvez le voir, quand le montage va passer dans l'herbe, aucune chance qu'il puisse se prendre dedans. Et quand un poisson va mordre, la pression va relâcher l'hameçon et vous allez pouvoir le ferrer. Donc maintenant, je vais refaire le montage en texan de plus près pour que vous puissiez mieux voir. Donc pour faire le montage en texan, je vais prendre l'hameçon, le piquer à travers du bout du Senko, je vais le faire ressortir juste en dessous, je le fais glisser sur le long de l'hameçon, je le remonte, je le tourne. Ensuite, je prends l'endroit où est-ce que l'hameçon va ressortir, je prends le Senko, je le plie, je le rentre dans le ventre et je fais ressortir l'hameçon par le dos. Ensuite, pour rendre le montage anti-herbe, je vais prendre le Senko, je vais tirer vers l'avant, je vais planter l'hameçon dans le dos et je vais ramener le Senko comme ça. Et voilà, vous avez votre Senko en montage anti-herbe. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci d'avoir écouté et bonne pêche à tous!